Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose un petit haul action. Comme d'habitude, je tiens à souligner juste une petite chose. C'est que à Action de Saint-Nazaire, les articles partent vraiment très vite. Donc là, il y a des nouveautés et il y a des choses qui ont été remises qu'on a eues il y a quelques mois, voire un an en magasin. Et ben c'est parti, allons-y. Le premier article qui est revenu, c'est celui-ci. Alors je vous en ai pris un qui n'était pas en magasin. Pourquoi? Parce que j'en avais déjà, j'en ai repris. C'est les petits des petites imitations en fait de paillettes d'or. Alors normalement il y a trois couleurs. Il y a la couleur rose gold, la couleur argentée, la couleur or. Donc là en magasin, moi j'en ai pris un de ceux que j'avais. Il n'y avait pas la couleur rose gold. Ils en ont peut-être mis parce que vous savez bien qu'Action, ils sont livrés tous les jours. Il y avait les deux autres couleurs, par contre, il y en avait encore quelques-uns dans les rayons. Alors, le prix d'un de ces flacons, c'est 94 centimes. Ensuite, dans mon haul, j'ai trouvé ça. Alors, au tout début, je me demandais ce que c'était. Alors, c'est vrai que moi, je fais plutôt du scrapbooking. Au jour d'aujourd'hui, j'ai plutôt fait des créations de cartes, d'albums, mini-albums, de la peinture, des tableaux, des choses comme ça. Et là, pour moi, je ne voyais pas quelle utilité je pouvais en avoir jusqu'au moment où, ben, je sais pas, j'ai une illumination. Je me dis, je vais regarder ça. Et effectivement, ça donne une idée de ce qu'on peut en faire. Finalement, c'est pas mal parce que c'est vrai qu'on a des pochoirs. En ce moment, il y en a à Action, hein, des pochoirs. Mais ça peut être un beau petit cadeau ou ça peut être sur une table ou un petit meuble d'enfant avec le nom de l'enfant. Enfin, c'est mignon. Oui, c'est une bonne idée. Sûrement qu'on peut pardon. Sûrement qu'on peut faire d'autres créations avec ces petits cubes en bois. Eh ben moi, je suis preneuse d'idées. Voilà, donc du coup, j'en ai pris. Il y en avait pas mal en rayon. Et donc, ces petits cubes en bois sont au prix de 1,49 € les 9 pièces. Ouais. Voilà. Pourquoi pas? Faut essayer. On peut même, là, parce que là, ils les ont laissés en bois brut, mais on peut les peindre aussi. Et puis. On peut changer les couleurs, c'est du bois brut. Voilà. Bon, ben, à voir. Je vais voir ce que je vais en faire. J'ai pas encore. Soit je copie bêtement ce qu'ils ont fait là, je sais pas encore. Et si vous avez des petites idées, je suis toujours preneuse, vraiment. Ensuite, j'ai trouvé ça. Alors là, c'est pareil. J'ai jamais fait ça encore. Pourquoi pas? Ah oui, pourquoi pas, franchement. Alors, je vous montre l'arrière. On peut faire des jolies petites créations, à mon avis. Il y a des tutos sur internet de ça aussi, hein. Donc il y avait ce rose-ci, ce rose un peu rose fuchsia, un bleu foncé, petit peu un bleu, on dirait un bleu indigo. Non, il n'y avait pas d'autre bleu. Un vert. Beau vert pomme, là. On voit pas très très bien à la caméra, mais je suis vraiment désolée, les couleurs ne ressortent pas vraiment comme au réel. C'est un beau vert pomme, franchement. Il y a couleur naturelle et une couleur qui fait toujours naturelle, mais plus claire. Ça fait un peu écru. Voilà, donc cet article-là,
Osier de bricolage, 74 centimes. Le. Moi, j'ai trouvé 6 couleurs. Donc, je ne sais pas s'il y avait d'autres couleurs, mais en tout cas, les 6 couleurs, ça donne un montant de 4,44 €. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé, je pense que c'est une nouveauté, franchement, vous me direz, je ne sais pas. C'est 20 pièces. Donc, ce sont des flacons de 59 millilitres, peinture acrylique. Donc là, ça, je l'ai pris pour vous parce que personnellement, je vais le ramener au magasin parce que j'en ai déjà beaucoup. C'était vraiment pour vous montrer à vous ce qu'il y a en rayon en ce moment. Il y en avait beaucoup en magasin, donc vous pouvez très certainement encore en trouver, à mon avis. Je pense que si j'avais pas ce qu'il me faut, je l'aurais pris, honnêtement. Donc je ne vais pas l'ouvrir pour vous montrer, hein. Voilà les couleurs. C'est assez intéressant. Ce sont des flacons comme ça. C'est pas des tubes, hein. Donc non, non, c'est pas mal. Honnêtement, ça m'aurait intéressé si j'avais pas déjà pris des coffrets déjà. Bon, faut quand même utiliser ce qu'on a déjà pris. Donc ce coffret-là, il est lourd. Est à 7,95 €. C'est intéressant. Très intéressant. Oh, il est bien. Ça donne envie de le garder. Bon. Voilà. Et donc j'ai pris autre chose pour vous. Parce que je me suis dit que c'était bien quand même de le montrer. Pareil, j'en ai déjà un. J'ai pas besoin d'en prendre un deuxième. Je vais vous le montrer tout de suite. Voilà, c'est un chevalet. Alors, c'est vraiment le grand chevalet. Donc là, vous pouvez régler la hauteur jusqu'à 56 cm. Ici, donc, ils expliquent qu'il y a un petit butoir en haut pour maintenir votre tableau. Et en fait, ici, ils montrent qu'on peut le régler entre 1 et 3 cm au niveau de l'épaisseur, ce qui est intéressant parce que quand vous faites une peinture en haut, si vous avez de la peinture qui n'est pas sèche, vous pouvez régler votre petit butoir ici de sorte que ça ne touche pas pour que votre peinture finisse de sécher. Voilà, ici ils expliquent, apparemment c'est rotatif, alors je ne sais pas. C'est ajustable à ce niveau-là. Donc à ce niveau-là, mais on se doute un petit peu en fait hein, que c'est ajustable. Parce qu'on voit bien les petites choses ici. On voit bien qu'ici c'est pareil, c'est ajustable au niveau de la hauteur. Donc non, non, il a l'air bien. Honnêtement, celui que j'ai est pas si grand, pas si sophistiqué. J'hésite vraiment à le garder. Je l'avais pris pour vous. Est-ce que je vais craquer? On va voir. Ça peut être un beau cadeau de Saint-Valentin. Oh, je vais essayer de négocier. Non, je rigole. On verra bien. Mais c'est vrai qu'il est possible quand même que je le garde. Il est beau. Je regarde s'il y a d'autres inscriptions. Donc ici, ben, il nous montre un petit peu. Ouais, on voit bien là ce qu'il va le dire. Il a l'air de d'être assez stable aussi. Non, non, c'est bien, franchement. Il a l'air très bien ce chevalet. Alors, ce chevalet est au prix de 12,95 €. Voilà donc pour mon haul action. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que si quelque chose vous intéresse, vous le trouverez en magasin. Il y avait d'autres articles, hein. Il y avait le bonhomme en bois articulé là qu'on voyait dans les publicités. Il y avait d'autres sets de peinture acrylique également plus petites.
Il y avait d'autres articles, d'autres nouveautés que je n'ai pas prises. Donc voilà, c'était très intéressant. Moi, je suis assez contente de mes achats. Je vous souhaite une belle journée et une belle soirée. Et bien sûr, si ça vous a plu, je veux bien un petit pouce. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, ce sera avec plaisir de vous accueillir. Et n'hésitez pas à me poser des questions, j'y répondrai comme je pourrai. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous dis à bientôt.